Et salut les amis, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 24 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap global qui se relève et qui gagne 20,47% à 1579 milliards de dollars. On a un bitcoin qui se réveille et qui fait 11,82% à 37 619 dollars. Je t'en parlais hier lorsque j'ai fait mon analyse technique que peut-être nous aurions un rebond. Technique, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Du coup, les alt embrayent le pas. Ethereum, 24,80% à $2431. TTR, troisième position. Binance Coin, quatrième position. Il dépasse Cardano avec un 32,08% à 314. C'est plutôt sympa. Putain, Cardano, la petite banque de mon coeur depuis 2017, qui fait 25,44% à 1,48. On a le Dogecoin. Je m'en à Il y a... XRP de Jean-Pierre Riffard, le petit Ripple qui nous fait 18,43%, l'USD Coin qui passe en 8ème position devant Bolkadot, de Magic War qui nous fait un 17,96$ à 20,44$ et Internet Computer ICP qui ne gagne que 8,22%. Vu la chute monumentale qui s'est pris depuis son introduction dans le marché des crypto-monnaies, je m'attendais quand même à un rebond un peu plus Puissant. Alors après ça, on va regarder les top gagneurs du jour. On a en numéro 1 Maker qui nous fait un 82,87$. Euh, 82, C'est juste top. On a Polygon qui fait 66,53% à 1,50% et Harmony One qui fait 67,45%. Suivi Domizego, Telcoin, Bakery Swap, Pancake Swap et Phantom. Ce petit euh, quadri ici. Souviens-toi, lorsque ça a chuté, je t'ai dit, ce qui est super intéressant de généralement de faire, c'est de regarder sur 7 jours qui avait gagné, perdu le plus. En faisant comme ça, tu as des possibilités de chance de trouver les crypto-monnaies qui vont surperformer. Eh bien, tu vois bien que Phantom était le quatrième, Bakri était le troisième. On avait d'autres crypto-monnaies qui avaient vraiment chuté énormément, qui ont performé aujourd'hui pendant ce petit bon, euh, ce petit rebond technique. Alors, est-ce que ça va continuer? On verra ça tout à l'heure lors de l'analyse technique du Bitcoin. Si tu es nouveau sur la chaîne, salut à toi, moi c'est Will n'hésite pas à t'abonner et, et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur Twitter, sur le compte culturecryptofr ou alors sur Will Tamer Trading. Tous les liens se trouvent en description. Allez c'est parti, générique. Alors la news du jour, pour moi en tout cas, c'est la première ICO qui a eu lieu sur la blockchain. Cardano vient de se terminer, c'est Revuto. Revuto, c'est la toute première ICO sur la blockchain. Cardano, et ça c'est juste au top, et surtout que ça s'est clôturé, mais quand je dis avec succès, de chez succès, on, ils ont atteint... Le Early Bird en 30 minutes, le deuxième en 18 minutes, et le Community Sale en 42 minutes. Ils ont levé 10 millions en moins de 90 minutes. Et ça, 90 minutes. Et ça, c'est juste exceptionnel. Alors, Revuto, c'est un protocole financier décentralisé polyvalent. Qu'est-ce que tu entends par protocole financier décentralisé DeFi La défi arrive sur Cardano et ça va faire mal de chez Mal, déjà un beau projet à surveiller lorsque les smart contrats vont être lancés. Revuto, je ferai certainement une analyse sur la chaîne. Enfin voilà, moi je trouve que ça c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc, première ICO lancé sur Cardano, lever 10 millions de dollars en 90 minutes. Je pense que mon World Token, je vais le lancer sur la blockchain Cardano, surtout que... En vous préparant l'analyse de Cardano, je me rends compte qu'il y a vraiment tout ce qui est fait pour pouvoir créer son propre token sur Cardano. Et ça, c'est juste au top et super facile. Ce que tu entends derrière, forcément, c'est ma petite fille, rien d'autre, ça va. Hein Alors, après ça, on apprend que la moitié des hedge funds investissent désormais dans la crypto selon un rapport de PWC. Donc... PwC et Elwood Asset Manager ont publié leur troisième rapport annuel sur le paysage mondial des fonds spéculatifs crypto. Et dans ce rapport, on peut lire que plusieurs fonds se sont mouillés et enfin sont rentrés dans les crypto-monnaies. Un total de plus ou moins 20% des fonds du monde ont investi dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est plutôt sympa. Euh L'augmentation par rapport à 2018 est de 1,8 milliard de dollars. Euh, la plupart des crypto hedge funds négocient du Bitcoin, de l'Ethereum, du Bitcoin, du Chainlink et du Polkadot, suivi en dernière position du AAV Maria. Alors, euh, selon le rapport, 86% de ces fonds traditionnels qui investissent déjà dans la crypto-monnaie ont l'intention d'investir plus de capital dans la classe d'actifs numérique 10. <laughs> D'ici fin 2021. Désolé, <laughs> mais bon, voilà, <laughs> elle est comme moi, elle ne sait pas se taire. Alors, selon un rapport, 82% des personnes interrogées ont déclaré que l'incertitude réglementaire restait le plus grand obstacle à l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, il est clair. Qu'un jour, la réglementation va devoir arriver dans les cryptos, ça va faire arriver d'autres capitaux dans les crypto hedge funds. Après ça, en parlant de hedge funds, on apprend que One River se lance dans la course des bitcoins ETF, mais avec une proposition assez particulière à la SEC. Pourquoi la société cherche à compenser l'empreinte carbone de Bitcoin en achetant des crédits carbone qui égaleront les émissions de CFD estimées lié à la confiance. Donc, ils vont peut-être planter des arbres. Eh bien, non, c'est pas ça. Ils vont racheter des tokens MCO2 basés sur Ethereum auprès de la plateforme environnementale MOSS.Earth, Earth. Cinq jetons représentant une tonne d'émissions de CO2. Donc voilà, pourquoi pas essayer de faire passer un ETF Bitcoin en jouant sur la vague, un greenwashing. Alors, tu vois ce que je veux dire hein Ouais, parce que bon, le Bitcoin, c'est bien, ça pollue, bro. C'est Elon Musk qui l'a dit. Parce que bon, voilà, merci Elon Musk. Quoi. On n'était pas au courant. Alors après ça, on apprend aussi que le billionnaire Ray Dalio, qui était anti-Bitcoin, avoue qu'en fait, il détient des bitcoins, et ça, c'est juste un monumental retournement de veste de chez Retournement de veste. Merci, monsieur Redalio, pour cette petite annonce. Du, du, du. Sinon, Goldman Sachs prévoit une augmentation de 35% des actions Coin d'ici la fin 2021. Donc, l'action Coin, c'est l'action de Coinbase qui a baissé de plus de 25% depuis. Quelques semaines, euh, et il a baissé de 50% depuis son ouverture à la bourse. Il a, il a ouvert à 400 dollars, il se retrouve à 200 et quelques dollars pour l'instant. Mais voilà, pour, selon Goldman Sachs, l'action la, la, Coinbase peut nous faire un retour en force avec 35% de gains à la bourse. Je t'explique. Difficile fin d'année, c'est exceptionnel, c'est pas le genre de truc que tu vois tous les jours. Maintenant, pourquoi Goldman Sachs dit que le coin va exploser ben Parce que c'est Goldman Sachs qui a dirigé l'offre publique d'achat de Coinbase. Conclusion, ben c'est son poulain, Coinbase. En fait, tu m'étonnes, il va pas dire ouais, ouais, mon poulain, en fait, c'est quoi Il est mort, laisse tomber, à part lui mettre des injections pour qu'il commence à pumper, je sais pas comment je vais faire. Conclusion, ben dans son rapport, qu'est-ce qu'il fait Goldman Sachs, il met. Coinbase, ouais, 35% fin d'année d'office. Et les clients, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont acheter. Et comme ils vont acheter, qu'est-ce qui va se passer ben, Ils vont monter. Ça s'appelle de la manipulation, tout simplement. Mais juste de la manipulation en façon marketing. Tu mets dans ton dépliant d'action, celle-là, elle va monter. Les gens, ils achètent. Conclusion, il se passe quoi Ça monte. Et là, les gens, ils se disent Waouh, Goldman Sachs, ils sont trop forts. Mais ben non, c'est juste toi qui es con. Tu as le berger et avec son bâton qui te dit jette-toi dans la sambre. » enfin jette-toi dans le fleuve. La sambre, c'est chez moi, Charleroi. jette-toi dans le fleuve, tu vois, et tout le monde se jette dans le fleuve. Conclusion ben, le niveau de l'eau il augmente hein, vu que tout le monde se jette dans le fleuve, c'est pas compliqué. Ben, c'est exactement la même chose pour les actions conseillées par monsieur Goldman Sachs. Maintenant, voilà, c'est peut-être un bon coup à jouer. Pourquoi ben, Je vais te montrer ça après dans l'analyse technique parce que je vais commencer en analysant Coinbase. Donc, on vient ici parce qu'il faut savoir que j'ai suis... commencé par la bourse. Et c'est pas parce que j'ai commencé par la bourse et que je me suis allé sur, sur les cryptomonnaies que la bourse, j'ai délaissé. Donc tu vois vraiment ici la, la, la belle performance de notre chère euh, euh, plateforme de vente de Bitcoin, <laughs> le coin. Et le coin, ça représente Coinbase hyper 44,21% en 39 jours d'existence. C'est juste magnifique. Et quand je te dis qu'ils ont perdu 50%, je ne m'étonne pas, ils ont perdu... Allez. 49,16%. Excuse-moi, je me suis trompé de quelques zéros après les 49. Donc voilà. Selon Goldman Sachs, donc, il y a un potentiel de gain de 45% d'ici fin d'année. Donc on va se mettre ici. Hop. Fin d'année, c'est janvier 2021. Eh ben il en faut du temps hein, quand même. Attends, on va se mettre en délit hein, parce que quand même, ça fait mal. Donc, hop, 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 hop. Voilà, on se met ici. Donc, ah Eh bien, il va falloir du temps. Hein. Donc, attends. Il y a un potentiel de 35%. Voilà, en décembre, voilà, parce hein. que fin d'année, tu montes, tu montes, voilà. Bon, il est pas c'est pas compliqué, il est venu chercher ici tout simplement le double top qu'on a eu. Voilà, donc voilà. Je pense que c'est bien plausible, hein. mais tu vois là, le temps qu'il faut pour faire 35% sur le marché traditionnel. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as des crypto-monnaies qui font 92% en une journée, tu comprends pourquoi Will Tamer il a arrêté la bourse, il est venu sur la crypto. Au début, bien évidemment, pour faire du pognon. Et toujours pour faire du pognon, je vais pas te mentir, mais bon, c'est clair que ça a changé mes convictions. Allez, après ça, on va quand même analyser ce qui nous intéresse, le Bitcoin. Pour ça, on va sur ma Red List. Voilà, et sur la Red List, on va sur le BTC USD. Et sur le BTC USD, je t'ai mis ça en daily. Et sur le daily, tu vois que... Ben, Crac-badaboum, on a eu notre dead cross. Donc un dead cross, comme je te l'ai déjà expliqué plein de fois, mais que je vais quand même le réexpliquer parce qu'il y a plein de nouveaux abonnés qui viennent sur la chaîne. La ligne rouge, c'est une moyenne mobile 50. La ligne orange, c'est une moyenne mobile 100. Donc la moyenne mobile 100, on appelle ça la moyenne mobile longue. La moyenne mobile 50, on appelle ça la moyenne mobile courte. Quand tu une moyenne mobile courte qui passe sous la longue, on appelle ça un dead cross. Quand c'est le contraire, quand tu as une moyenne mobile courte qui passe au-dessus du moyenne mobile longue, on appelle ça un Golden Cross. Conclusion, aujourd'hui, il est arrivé ceci le Dead Cross et le Bitcoin a réagi et, euh, le Bitcoin a, réagi et a pumpé aujourd'hui par rapport à ça. Conclusion, comme je t'avais expliqué, il y aurait certainement un, un regain d'intérêt technique pour le Bitcoin suite à ce dead cross et c'est exactement ce qui s'est passé c'est pas que je suis madame Irma c'est que c'est juste psychologique il y a un dead cross les bulls ils se disent merde le bitcoin va chuter encore plus du coup ils achètent pour essayer de maintenir le cours et comme les Bears pensaient que ça allait chuter automatiquement ils n'ont pas, ils, ils pas vendu et c'est les bulls qui ont gagné mais on va quand même regarder ça en niveau H4 pourquoi parce que sur le H4 je t'ai fait une petite analyse technique tout à l'heure euh, hop c'est plus sur celui-là je t'ai fait une petite analyse technique tout à l'heure sur twitter je voulais te la présenter. Donc, je l'ai mis ici. Donc, sur le daily, nous observons un dead cross entre la MA50 et la MA100, ce qui n'est pas un signe très, très réjouissant pour les acheteurs. Conclusion tu peux voir ici ce que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Et après ça, j'ai analysé en H4. De plus, on remarque parfaitement que sur le H4, le Bitcoin a beaucoup de mal à passer l'oblique et surtout, il n'imprime pas un haut. Plus haut que le précédent, ce qui pourrait donner un peu d'espoir pour un retournement court terme. Important le court terme. Espérons que le prochain bas soit plus haut. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, tu vois parfaitement que on n'arrive pas à passer cet oblique au moment où j'ai publié. Hein. Alors malgré la remontée. Depuis le plus bas d'hier, il n'arrive pas à faire un nouveau plus haut que le précédent. Mais bien évidemment, tu vois bien que les plus hauts, ils chutent à chaque fois, et que les plus bas, ils sont plus bas à chaque fois. Et le dernier plus haut, il est ici, à 38 956 dollars. Donc j'ai posé ça là. Et juste après, on va dire quelques temps après, hop je poste celui-là et je dis voilà, le Bitcoin, attention, regain d'énergie, des acheteurs, allons-nous imprimer un nouveau plus haut sur du H4 Et ce qui est super important, c'est la remarque que j'ai mis. Objectif 38 956 dollars. Et on imprime un nouveau plus haut court terme, ce qui ferait du bien. Et si on vient faire un bas plus haut, ça pourrait être un bon reste à attendre. 15h30, du coup, les USA. Pourquoi Parce que les USA, eux, n'étaient pas en congé aujourd'hui. Par contre, ce qui est super important de comprendre, c'est que si on ne vient pas casser les 38 956 dollars, on n'a toujours pas imprimé un haut plus haut. Et là, on va le voir maintenant, ici, sur l'analyse technique. Que s'est-il passé Eh bien, les vendeurs reprennent déjà la main. Pourquoi Parce que tu vois qu'on a testé, on a tenté de casser cet oblique. Pour l'instant, on est toujours au-dessus. On est toujours au-dessus de l'oblique. On a fait un haut un peu plus haut le précédent mais par contre on n'est pas venu chercher le, le haut plus haut à cause de ça c'est peut-être infime tu te dis ouais mais c'est vraiment léger oui mais ça montre que les acheteurs n'avaient pas la force suffisante pour venir casser le précédent plus haut du coup là as les vendeurs qui essayent de se battre pour déjà descendre en dessous de l'oblique parce que cet oblique Représente un support, euh, une résistance, pardon, une résistance psychologique. Si on ouvre dans 37 minutes au-dessus de cet oblique, il y a des chances qu'on vienne casser les 38 956 dollars et venir faire un nouveau plus haut au niveau de la moyenne mobile 50. Et le top du top, ce qui serait vraiment génial, donc c'est que le cours fasse. Pardon. C'est que le cours nous fasse ceci et qu'après je vais enlever cet aimant, à chaque fois j'oublie d'enlever, désolé on va faire ça, le top du top ce serait que le cours nous fasse ceci chute et nous imprime à nouveau plus bas ici, pile poil pourquoi pile poil sur l'oblique parce que du coup il rebondirait sur l'oblique tu vois, et s'il rebondit sur l'oblique peu importe l'endroit où il va rebondir sur l'oblique mais ce qui est important c'est qu'il rebondisse sur l'oblique pourquoi parce que cette résistance deviendrait Support. Et comme cette résistance deviendrait support, ça donnerait une impulsion pour revenir à la charge une deuxième fois et recasser le dernier plus haut pour en imprimer un nouveau, peut-être au niveau de la moyenne mobile sans période et ainsi de suite. Et on repartirait dans une dynamique haussière. Pourquoi Parce qu'on te ferait, c'est pas compliqué, des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Et là, on, repartrait, on repartirait pardon, dans une dynamique haussière court terme, encore une fois, court terme parce qu'on est sur du H4 haussière et ça ne serait quand même que du positif pour le Bitcoin, à côté de ça on peut analyser sur du daily le Bitcoin, tu vois que il nous a quand même fait un bas plus haut que le précédent, donc t'as ce bas-ci et t'as ce bas ici, ce qui serait chouette c'est qu'on arrive à casser ici ce haut précédent, donc ce qui serait vraiment chouette c'est qu'on vienne buter à un moment donné sur la moyenne mobile 200 périodes quelque part ici ce serait vraiment Idéal, ça n'arrive pas, ben c'est pas grave, mais si ça arrive, c'est bien parce qu'on on aura réussi à imprimer un haut plus haut que le précédent sur du délit, ce qui montrerait un regain de force relatif pour les acheteurs, surtout que tu peux remarquer que le RSI commence à imprimer des bas plus haut et des hauts plus hauts, ce qui montre quand même un regain de force sur le RSI et sur... L'intérêt des acheteurs pour le bitcoin, donc le le beer market n'est peut-être pas entamé comme je dis euh, depuis euh, un, un mois maintenant. J'ai annoncé ça le 24 du 5. Voilà, peut-être que ça va repartir à la hausse. Peut-être qu'on n'aura pas atteint le beer market. Euh, peut-être que c'était qu'une grosse correction. Donc peut-être que je me suis trompé, mais n'empêche, le 24 du 5, j'ai quand même dit qu'il fallait vendre. C'est au moment où il fallait vendre et à ce moment-là, on a pris des bénéfices et ça c'est vraiment au top. Maintenant voilà, je suis pas madame Irma. Moi quand je vois des commentaires qui me disent ouais enfin qui me critiquent parce que soi-disant je retourne ma veste ça fait un mois que je chante la même chose. Maintenant, si les bitcoins il remontent, Qu'est-ce que tu veux que je te dise À part, ben le Bitcoin, il remonte. je J'ai pas de te dire. Euh, ouais, non, le Bitcoin, il chute. Hein. Je suis pas débile quand même, tu vois Parce que quand je lis des commentaires qui me font, oui, hier, yeah, tu utilisais que ça allait. Enfin, ça fait une semaine, tu dis que ça va monter et après tu dis que ça monte. Ben déjà, j'ai pas dit ça. Euh, tu peux regarder toutes mes autres vidéos. Ça fait un mois que je te pompe le jonc avec le fait que ça va chuter et que ça a chuté. Mais si ça remonte et que j'ai dit que ça avait eu un pire market, on a eu un beer market d'un mois. Point barre, c'est tout, c'est pas fin du monde, hein. j'ai le droit de me tromper, parce que je suis juste un mec comme toi mon vieux, qui kiffe la crypto, qui trade, et qui est pas professionnel là-dedans, et si ça tu sais pas l'implémenter, tu fais des abonnés, tu t'en vas de ma chaîne, va regarder les win-win qui te vendent du ref, fais-moi plaisir, et passe une bonne fin de journée. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto, si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge, et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.